Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous. Wow, c'est quoi ce problème de flou? C'est du sale ça, attendez, my man. Qu'est-ce qui se passe? La caméra. Je suis sûr que les propriétés de la caméra sont encore déréglées pour la énième fois. Et j'ai encore oublié. Affirmative, j'ai encore oublié de les régler. Bravo, bozo. Voilà qui est mieux. Voilà, on va mettre le micro hors cadre. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau live de Guilleman. On sent que c'est le live du réveil quand même, on sent que c'est fait un peu à l'arrache, je pensais avoir bien tout réglé et finalement, voilà, là c'est mieux quand même, un petit peu mieux, on est un petit peu mieux, effectivement, quoique c'est un petit peu quand même, voilà, là on est bien, tac tac tac, un petit message que je suis en train de rédiger, on vient, excusez-moi, c'est un peu le démarrage, mais ne vous inquiétez pas, pour après, on a gagné du temps, on a déjà préparé la boîte, elle est déjà ouverte. Hop là, voilà, message envoyé, je suis avec vous, bonjour et bienvenue. Le live du réveil, comme je disais, hein, attendez, c'est un peu à l'arrache. Et sans perdre de temps, on va passer à la vue desktop. Aujourd'hui, on fait du Lego Star Wars, on fait un casque, le casque de Luke Skywalker. Pourquoi ce matin? Peut-être parce qu'en partie, je suis très frustré d'hier soir, on a fait le casque de... Mandalorian qui nous a pris à peine 2h30, il y avait 583 pièces, comme ça, 500 et quelques, presque 600 pièces. Ici on en a 675. Donc avec un peu de chance on va mettre un peu plus de temps, mais je crains que ça soit pas beaucoup plus long. En tout cas, voilà, on complète la collection, le troisième casque sur 4. Sur les replays on peut voir qu'on a déjà fait le Dark Trooper et donc hier le casque du, je viens de le dire, du Mandalorian. Le Dark Trooper et le Mandalorian étaient tous les deux issus de la série The Mandalorian de Disney+. C'était les deux seuls de cette série. Maintenant, on va passer au casque, entre guillemets, legacy historique de Star Wars, la guerre des étoiles. Donc voici le Red 5, le Red Leader, le casque du leader rouge des X-Wing, et à savoir porté par Luke Skywalker. Voilà, donc aujourd'hui, on démarre là-dessus. On peut voir que sur cette boîte, on a un joli casque, voilà, tel qu'il va être rendu une fois terminé. On a les écriteaux qui indiquent que c'est le casque de Luke, Star Wars, le petit logo Rebelle. Ici en bas, on nous indique 18+, comme toujours, pour comme quoi c'est, bah, c'est un set pour les adultes. Pourquoi pour les adultes? Tout simplement parce que c'est de la collection et que ça coûte plus cher que... Oh là, attendez, j'ai des petits moustiques, des petits insectes qui traînent. Que ça coûte plus cher que des sets entre guillemets standards. Le numéro de boîte, le 75327, et le nombre de pièces, 675. Voilà, un petit logo Disney pour nous rappeler qu'ils ont racheté la licence. Star Wars Lego, encore une fois le rendu final vu de face, l'indication qui fait partie de la collection des casques, Helmet Collection. Derrière, encore un rendu, celui qu'on peut voir d'ailleurs en haut à droite de l'écran. Donc voilà le rendu final. Et ici, deux visuels extraits du film de la guerre des étoiles. Je ne saurais pas vous le dire lequel c'est, j'imagine que c'est le premier, mais j'en suis pas sûr, peut-être le deuxième d'ailleurs, parce que je n'ai pas le souvenir. Bon, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, bref. Et on voit ici une vue à l'échelle avec marqué ici, comme quoi il fait 19 cm de haut, ce qui fait 7,5 pieds. On a toujours ce petit siglage, on va dire, enfin, siglage, d'ailleurs plutôt décorum qui représente la fameuse gamme en question. Et on voit ici, donc, indiqué encore une fois, Luke Skywalker, Star Wars, le logo de la Rebelle. Ici, le petit QR code qui va bien pour la boîte. Et puis, bah, en dessous, vous voyez, hop, si on retourne ici, encore une fois, on voit pas très bien parce que je suis un peu proche, mais on a d'où viennent les pièces, le nombre de pièces, les petits, comment on appelle ça, les warnings habituels, etc. Voilà. Donc, ouais, c'est pas fait pour les petits, parce qu'il y a des petites pièces qui peuvent s'étouffer. Alors, sans plus attendre, j'ai déjà pré-ouvert la boîte tout à l'heure. Là, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à vider. C'est parti. On en fait. Voilà. Voilà. Et une boîte en plus d'ouverte. J'ai l'impression d'être Noël tous les jours en ce moment. On me dirait que ça rattrape un peu la semaine facile que je vais pas bosser. Je vais pas bosser. Salut Gaël. Toujours dans le coin toi, dis-moi. Ah, alors là déjà on a un truc qu'on n'avait pas dans les autres. Une sorte de paille jaune. Alors pour ce casque, j'imagine que ça risque de servir pour la mentonnière, mais en fait j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est des tubes comme ça qu'on utilise sur le chasseur taille pour mettre les pièces qui vont ici, les petits wagons. Alors vous verrez sur les prochains lives, je pense que le pilote de TIE Fighter, celui qu'on prend en dernier. Bref, il y a des sortes de pailles qu'on va voir qui vont servir à enfiler les clés dessus, j'imagine. Nous avons, comment vas-tu ce matin? Oui, je traîne mes guests, lol. Nous avons un, ah non, oh non, deux stickers.
Déjà, c'est l'occasion de se perfectionner sur les stickers. 1, 2, 3 et 4 sachets. Il y a encore moins de sachets que sur le Mandalo. On avait 5 sur le Mandalorian, ici on en a fait 4. Ça va être vite tout de suite. Donc, sans plus attendre, nous le premier sachet et on va jeter un œil au livret dans la foulée. C'est parti, les briques fleuves et les briques pures. Ça roule et toi, je suis sur le point d'aller faire un tour avec ma fille avant les 30 degrés. Bah profitez bien parce qu'effectivement, ça va vite grimper, c'est sûr. Moi-même, j'en ai profité pour ouvrir un peu la fenêtre pour ça et pour aérer un peu. Je me suis dit que peu importe s'il y a du bruit de fond dans le live, on s'en fiche parce que franchement, c'est tellement vite chaud. Ces derniers jours que bon, je reviens après, ça marche. Bah écoute, profitez bien de votre balade. Mes amis, à ta fille. Oh, regardez, du joli turquoise. Ouais, ça marche. L'arc bien gagne. Du joli turquoise, des belles pièces oranges bien stylées comme on les aime. Ça commence très fort. Je sens que ce casque va être au niveau, et j'espère, de mes attentes. Hop. Alors, voyons voir. Le petit livret qui va bien, qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà. Donc Star Wars, le visuel du casque, bien sûr, le lien vers le manuel traduit dans toutes les langues de la Terre possible et inimaginable. Et un premier visuel avec la destruction de l'étoile de la mort, l'étoile noire, pardon. Et ici, un petit blabla qui nous dit, encore une fois, on a Jen Kronvold, Skin Kesten. Le créateur director de Lego Star Wars qui nous dit voici un nouveau casque de Lego Star Wars, blablabla, Skywalker, c'est génial, iconique, tout ça, bref, on va pas y passer 3 heures, vous avez compris le principe. Et puis voilà, comme pour l'autre, on commence directement. Cette fois-ci, j'ai mis un fond grisé. Il me semble, sauf erreur de ma part, que le fond était blanc sur le manuel du casque de Mandalorian, et je crois aussi sur le Dark Trooper, je vais pas dire de bêtises, il me semble qu'il était blanc dans les deux cas. Donc ici, on a un fond qui est gris. Bon, voilà, ça change un peu. C'est pas si mal. Vous me direz, c'est pas sûrement parce qu'effectivement, il y a pas mal de pièces blanches. Donc, ils ont dû mettre un fond gris pour que ça ressorte mieux les pièces blanches, j'imagine. Et donc là, une fois qu'on arrive à la fin, comme d'hab, le petit feedback and win, la liste des pièces. Et on voit qu'en page 124, on termine le modèle. Donc, on a déjà une vingtaine de plus de pages de plus que le modèle précédent qu'on a fait hier. Du coup, on va, sans perdre plus de temps, sortir le démon de pneus. Hop là. Voilà le fameux démon de pneus. Je commence à avoir une petite collection, mine de rien. J'en suis à mon quatrième. Et donc, on peut voir ici qu'il nous explique donc le fonctionnement, entre guillemets, si j'ose dire, le déroulé du montage. Cette fois-ci, on commence par le pied. Une fois n'est pas coutume, on commence par le stand, ce qu'on ne faisait pas avant. En général, on commençait par d'abord faire la structure principale du casque. Et ensuite, on venait construire autour, mais en même temps, si on regarde ici, si on regarde étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, on se rend compte qu'en fait, il n'y a quasiment pas l'espèce de grosse cabane comme on peut l'avoir sur les autres casques. On n'a pas le gros rectangle au milieu sur lequel viennent se coller les différentes faces. Et j'ai l'impression qu'en fait, les faces viennent se coller directement sur cette structure qu'on voit ici, qui est relativement plate, qui a un peu de volume, et qui représente, en fait, qui est en fait au niveau du centre du pied. On voit qu'on a le pied. Puis là, cette fameuse structure qui s'agrandit, et là directement, paf, face supérieure, un peu de face frontale et face arrière qui sont collées, puis on vient rajouter la finition de la face supérieure et les latérales. Et la finition aussi de la face frontale. À moins qu'on ait... Non, on n'a que 4 sachets, je veux dire, à moins qu'il y ait une 5ème étape, non, il n'y a que 4 sachets. Donc on va avoir une technique, enfin une technique, un modèle qui va changer un peu, ça va être différent des précédents, tout simplement. Donc excusez-moi, je regarde en même temps... Le matin, mon Guigui. Ça va, Joe? Ça va et toi? Ah bien quoi, on est en live, hein, tu sais. Ça ouais, va ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, je t'ai vu déjà hier matin en train de live. Hier matin, hier après-midi, tu veux dire? Ouais, ou matin, je sais plus, c'était... Je sais plus. C'est hier, je me suis réveillé, c'était 4h40 du matin, donc je suis un peu à l'ouest, là. 4h40, mais c'était en replay, alors, parce que 4h40, je dors, mais... Non, mais j'ai dû te voir après, je sais même plus, honnêtement, je sais que voilà, je t'ai vu. T'es bien décalé, c'est ça. Mais j'ai vu, si tu veux, déjà je me suis réveillé de Saint-Léger, quand je suis réveillé de Saint-Léger, j'étais complètement explosé. Après le lendemain, réveillé à 4h40, enfin, là je suis un peu déphasé, ouais. Ah, je vois ça, tu es un peu dans l'hyperespace, on dirait.
Et j'ai vu ton autre casque, là, celui que tu faisais hier, le Dark Casque. Non, hier c'était le Mandalorian hier. Ouais, c'est ça, ça ressemblait à celui de Sky, de Kylo Ren ou un truc dans le genre. Pas du tout, ça ressemble plutôt à celui de Boba Fett si on veut. Ouais, je trouve qu'il y a une similitude. Si tu Après. regarderas mieux, je t'assure que non. Non, non, le Dark Trooper, effectivement, oui, qui est le premier que j'ai fait, ou à la limite, tu pourrais peut-être imaginer une vague similitude et encore. Mais bref, toujours est-il que oui, frustré de mon casque d'hier, qui a pas été très long à faire, et du coup, j'enchaîne en fait. Ça, c'est les Lego, Simplement. hein. C'est les Lego, mais c'est les Lego spécifiquement ces sets-là, parce qu'il y en a qui sont quand même vachement plus longs, tu vois. Ouais, Typiquement le. effectivement, c'est un côté Boba Fett, effectivement. Bah oui, je sais bien, c'est un. Comment ils appellent ça? Un Mandalorian, tu vois. Un Mandalorian, quoi. Voilà quoi, pour ceux qui ont vu la série. Ouais, voilà. Et du coup, Et toi, qu'est-ce que motivé à tu fais de beau? aborder les Lego dès 9h50 du matin. Ouais, hyper On dirait motivé, que ça fait qu'un carrément. petit quart d'heure. Ça fait qu'un petit quart d'heure que tu vas Oui, les. puis tu vois, j'aurais fini vers les coups de midi si tout se passe bien, peut-être même un peu avant. Et du coup, je pourrais enchaîner ma journée, tu vois. Faire ce que j'aurais dû faire au Ouais, réveil, c'est-à-dire ranger l'appartement, faire le ménage, tout ça, quoi. très bien, je vois Faire très à bien. manger. Comme ça, j'ai fini mon casque et puis j'enchaîne l'imprimante 3D, la journée, les trucs, les machins. Voilà, quoi. Nous, à la base, on devait partir hier à la Bourboule et finalement, on est resté notre cul ici. Ah ouais? Bon, on a vu le temps orageux, 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 orageux. On a dit, bon, bon, on fait quoi? Bon, on reste à la maison. Et D'accord. l'orage en montagne, voilà quoi. Je comprends bien. Effectivement. Vous allez pas partir du tout alors. Bah non. Cette semaine, on glande ici, puis on va faire des balades avec le toutou. Oh, c'est déjà sympa. C'est le programme. C'est déjà Bon, sympa. bah écoute. Oh, hier, on est allé à l'Arboretum, ça s'appelle, c'est à 1 heure de là. C'est un truc où ils ont plein d'essences d'arbres différents, etc. On y allait là-bas à 19h30, on s'est barré à 22h. Des trucs pépères. Je vois. Alors, on profite, quoi. Yes. Bah écoute, ma foi, tant mieux, tant mieux. C'est pas Bon, allez, je mal. t'embête pas plus longtemps, je te laisse monter Oh bah ton pas de Lego soucis, tu tranquillou. m'embêtes pas, hein, pas de soucis. Ouais, je vais faire de la Warzone en vrai, je vais pas mentir. Eh bien, bonne guerre à toi et à plus tard alors. Merci, bisous tous. Bisous, ciao, ciao. Ah, oula, petite intervention matinale surprenante. Je m'y attendais pas à celle-là. Il me dit que je suis bien matinal pour monter du Lego, mais lui il est bien matinal pour faire de la Warzone, j'aurais pu lui dire. Aïe aïe. Alors. Maintenant, deux angles. Un, deux, ensuite. Là, il y a pas mal de petites pièces comme ça avec une rainure. Faut faire gaffe de pas les confondre avec les doubles. Enfin les deux parts, un simple. Et je vois que bien qu'on soit dimanche matin. On n'est pas allé faire la matinée parce qu'il y a déjà Gaël qui est passé, il y a déjà Mister 1% qui est passé. Et il y a du monde qui est réveillé et qui fait ses bails. Non, ça chôme pas. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que, sauf erreur de ma part, cette fois-ci, la façon dont on construit la base, elle est encore un peu différente de l'autre fois. J'ai l'impression, hein, que en fait les modèles ont évolué avec le temps. Et j'ai pas le souvenir qu'on ait utilisé deux angles comme ça pour venir faire le débord ici hier. Je sens qu'on avait utilisé une 2 par 2. Enfin bref, je peux me tromper, il faudrait que je regarde, mais. Je sens que ça change un peu. Alors, 4 studs orange. Ça, ouais, c'est des studs orange. De toute façon, il n'y a pas de jaune, ça peut être que des oranges. 1, 2, 3 et 4. Et très joli orange. J'adore ce orange fluo là. Attaque. Ensuite. Non, on fait quoi? Oh là là. On se fait retourner à la plaque. On met les studs dans les coins. Comme on l'a fait hier finalement, sauf qu'hier je crois qu'ils étaient rouges. Je fais pas de bêtises. Voilà, on retourne. J'ai oublié de sortir cette pièce-là, bravo. Maintenant, on met ça comme ça. Voilà, ça va être le support qui va permettre d'enclencher la tige principale qui va monter comme ça. Ensuite, on pose ça là et on raccorde le tout. Ah ouais, d'accord. Ok, bah écoutez, j'ai l'impression que contrairement à ce qu'on a fait hier, de mémoire, hier on avait donc la face avant et le trou seul qui était sur le côté. Là maintenant c'est l'inverse, le trou seul il se retrouve sur la face avant.
pourquoi pas. Il y a quand même pas mal de petites différences, des petites différences, mais elles sont présentes, elles sont bien là. Allure. Là, on est là, parfait. On va se remettre directement les angles, d'accord. Alors, où est-ce qu'ils sont? 2. Et pas 4, non, c'est le 7ème. Je vais pas les yeux en face de tout là. Hein. Et aujourd'hui, ce matin. Ah, le voilà, 4. Impression que. Hop, ça fait pareil. Ça, on accroche bien. Ouais, c'est bon, on accroche bien. Ah. Tac. Quatrième, oula, loulilol, voilà, ça y est, on a 4 ici. Ensuite, d'ailleurs, j'ai fait ça trop vite. Ils avaient dit 2 d'abord et 2 ensuite. Vous voyez, comme quoi je lis pas du tout le manuel ce matin. Il faut que je me concentre un peu plus, sinon je vais faire n'importe quoi. Ça sent la grosse bêtise. Et... deux petits, un grimpant, parce qu'ils sont les plus petits. Alors, deux petits angles. Ah bah voilà, c'est dans les petites pièces, tiens. J'ai l'impression qu'ils sont plus petits que les autres, ceux qu'on a fait hier, mais... on va dire une bêtise, à mon avis, je dois me tromper, parce que c'est bizarre quand même. Ils auraient pu faire un truc au niveau du... voilà. Les socles doivent être identiques en termes de taille, mais c'est là, le montage des packs sont le même. J'ose espérer qu'ils ont été... on fait un truc ISO pour tous de taille pour avoir un truc qui soit cohérent de bout en bout quoi sur toute la série. Un peu décevant sinon honnêtement. Donc, je check en même temps, j'ai la lumière de derrière qui est censée éclairer le fond vert. Hier on m'a fait une petite surprise, je l'avais branché sur un intersecteur et ça allait prendre feu tellement c'était chaud quand j'ai eu terminé le live. Là je vérifie, je l'ai branché sur une prise USB directement sans passer par l'adaptateur. Et ça a l'air d'aller pour l'instant. On verra au bout de 3 heures comment ce sera, mais pour l'instant ça va. Alors on en a 2, pas 3, pourquoi je compte jusqu'à 3 ? Moi n'importe quoi. 2, et on a ces fameuses petites pièces dont je parlais tout à l'heure, les 2 par 1 et les petites rainures. Tac, on veut les mettre vers l'intérieur, d'accord. Donc ces petites rainures là qui sont des petits débords. À mon avis, elles vont faire comme hier avec l'histoire des petits picots intérieurs. Ils vont permettre de maintenir la structure, pas structure, la... tige, le corps à l'intérieur de la l'intérieur du corps, plutôt la tige qui permet de tenir le pied finalement. Alors, ça va faire un petit piège entre guillemets qui fait que c'est plus petit et ça va permettre à cette fameuse barre au milieu d'être maintenue. Ensuite on prend 2 comme ça. Alors ça c'est des pièces un peu bizarres, tiens. On dirait que c'est des 2 par 1 plus hautes que d'habitude. Ah, c'est ça en fait, je pense que c'est celle-ci. Ah, oui. À mon avis, c'est celle-ci. Ensuite, on a une bonne vieille brique traditionnelle comme celle-là. Et là, on a un double plat avec système de clips. Parce qu'elle est. Il faudrait vraiment que je me trouve un tireur un peu plus digne de ce nom. Parce que là encore une fois du noir sur noir j'ai du mal à les voir. Donc comment est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Ensuite comme ceci. Finalement ça. Voilà, tout va derrière. Donc c'est déjà vachement haut. Ensuite on vient rajouter les deux latéraux, d'accord, très bien. Et de 2, effectivement, on est bien sur la même hauteur. On est ISO bien plat ici. Ensuite, 2 fois des petits plats de 1 par 1, 1 et 2, et ensuite 2 angles 1 et 2. Très bien. Comment est-ce qu'on va les placer? En fait, on va venir consolider finalement ici. Bien là on déborde, il y en a un qui est dans le vide, mais en même temps on permet de raccrocher ensemble ces 3 pièces
Et ici, on a, au bout, on en rajoute un, juste pour être bien à plat. Voilà. Bien. Puis, qu'est-ce qu'on fait derrière? Alors, ça... Voilà. J'ai hâte d'arriver aux espèces de paille jaune qu'on a vu tout à l'heure, je me demande vraiment ce que ça peut bien être. Je suis curieux de savoir. Autant sur le chasseur taille, je sais exactement à quoi elles servent. Il y en a deux qui sont sur les côtés qui font des sortes de. Et sur lesquels on vient mettre des petites rondelles qui permettent de représenter les sortes de tubes respiratoires qu'ils ont sur leur casque. Autant sur celui-là, je suis sur un petit bout, je me demande bien ce que ça peut être. Peut-être pour, comme je disais, pour la mentonnière, pour assainir la mentonnière dans l'air. Et comme ça. Et... Ah. Ensuite. On rajoute encore une pièce rouge. Est-ce qu'elle est où? Où est-ce qu'elle est où? Par-dessus. On vient fermer. Ok. Ensuite. Pièce un peu piège. Hein. Allez, forcément, elle est dans les grandes pièces. Ce qui est pas à la trouver. Une petite rouge. Voilà. Ensuite, on espère une petite maison. Petit château là, noir, où est-ce qu'il est? Pas ça du tout. Le mot de ça qu'ils ont mis dans les grandes pièces quand même, ça sera bien. Dans les grandes pièces, oui. Juste avoir des... de la merde dans les yeux. Ah bah là, voilà. Parfait. Donc toi tu viens ici. S'il te plaît, merci. Et x2, des petites plaques lisses de 2 par 1 qu'on va mettre sur les côtés apparemment. Ouais. Top 21, terminé. Alors, ce ne sont pas des pages, sinon ça ne va pas le faire. Donc ils veulent qu'on vienne poser toute cette structure-là. Ici, tout court, très bien. Dans l'air. C'est par deux pièces, enfin deux plots seulement, je trouve ça vachement fragile. Ça me paraît un peu fou ce qu'ils sont en train de faire là, mais bon. Ils l'ont ici, on a un truc qui vient se bloquer, donc ça va peut-être s'enclencher là et là en même temps, on va voir. On va voir. Alors, maintenant, il veut qu'on prenne une... Et j'ai vraiment du mal avec les briques noires, c'est compliqué. Deux comme ça. Ensuite, une. Deux. Trois. Quatre. Plus 2, ok. Alors là on va faire un truc en x2. Donc en x2 on doit faire ça. Puis... Ah. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on recommence pareil, comme ça on fait au fur et à mesure les étapes une par une, on pourra pas se planter comme ça. Puis, on fait un truc comme ça. Enclencher par-dessus. Finalement, on termine avec cette brique-là par-dessus. Voilà. Et on vient mettre le tout vers l'extérieur, là-dessus. Et vous voyez qu'on a encore ce système de cale qui va venir à l'intérieur pour caler la tige qui grimpe au centre. Voilà. Et vous remarquerez, elle est vachement plus longue que la tige qu'on avait sur les autres. C'est bizarre d'ailleurs que...
non pas plus haut. Bon bref, je sais pas, on va voir. On va se presser, on suit les le manuel. On déroule gentiment. Alors. Des angles, il nous en faut deux. Encore des petits 1 par 1, des petits fins. Et toute fine comme ça. Voilà. On va venir encore consolider en haut comme on a fait tout à l'heure un peu plus bas. À savoir. Ah, si je fais tomber tout ça, va pas aller. Ici en angle. Ici en angle. S'il te plaît. Voilà. C'est quand même sympa. Du coup, d'avoir un montage qui, même pour la base, tout simplement, est très différente des autres. J'ai un peu peur, du coup, que, bah, que la base soit trop différente des autres, au final, une fois montée. Ça m'ennuierait un peu. Parce que je trouve que ça serait dommage de casser l'uniformité, en fait, de la collection, quoi. Bon, de toute façon, on va pas avoir trop le choix. Hein. C'est le modèle est ce qu'il est, on peut pas le modifier. Hein. Tac. Je me suis trompé, j'ai pas pris la bonne pièce. La rainurée. Où sont les rainurées? Tiens, j'en ai une. Hop, vous avez vu, on en a encore une. Enfin, encore deux plutôt vers l'intérieur. On va venir parfaire ici ce maintien qui est là. Bon. Alors, ça y est, on s'attaque à la tige. Donc la tige est vachement plus complexe. Enfin, plus complexe. Plus de pièces déjà. Il nous faut un comme ça. De petits noirs, de petites lunettes techniques noires comme ça là. Hop. Ensuite on en a encore deux autres en plus. Une et deux. Plus on a une autre tige blanche et deux tiges rouges. Voilà. Donc si on fait dans l'ordre, à mon avis ça commence par on clipse les deux rouges ensemble. Avec une double binette. Ah. Bien, je trouve vachement fine ces tiges, je sais pas comment on appelle ça. Petits bitonios sont vachement là, vachement fins. Le tout vient s'encastrer ici, si j'ai bien compris. Ah, ça c'est fait. À côté, le trou suivant, on vient mettre ça. Et un tout au bout. Ok, donc difficile de se rater là normalement. On voit bien que c'est un point, c'est bien celle-ci. Sauf que ils font ça, d'accord. Ah oui, non, parce que là j'étais en train de regarder ça, mais ensuite il y a les autres étapes, page suivante, je pense. Il suffit de suivre le manuel encore une fois. Pas de folie. Voilà. Maintenant qu'on en est là, on vient prendre la deuxième tige. On la met comme ceci. Si on y arrive, voilà, parfait. Et on prend encore deux petits bitonneaux noirs. Et de 1 et de 2. On va se les caler ici. Ah oui, et puis on va mettre en symétrie les deux autres. Les deux autres plaques rouges. Enfin, plaques. Ça, comme ça. Et du coup, ça vient ici. Tac, hop. Et là. Voilà. On se retrouve bien avec la pièce qui est ici. On est bon. Maintenant, on va l'assembler sur le pied. Pour ce faire, on a besoin de ça. Une pour en bas, je pense, et une pour en haut, visiblement. On est sur la bonne taille, donc ça va le faire. On prend une seule, puisqu'il est bien indiqué une ici. Je viens déposer ça. Par contre, ce qui m'embête, c'est que ça, là, ça dépasse ici. Là, j'ai pas l'impression que ça dépasse en fait. Je me demande s'il n'y a pas un petit loupé là. À mon avis, il y a un loupé. À mon avis, on a un petit raté là. Ah, ça devrait venir comme ça. Non, là, on doit... Allez. Ah, théoriquement, selon moi. Ah, voilà. Comme ça, un truc bien plat, c'est mieux, c'est plus logique. Donc, on dépose le tout là-dedans et on lui glisse.
je te maintiens. Ah. Ah bah d'accord, donc là c'est carrément bâtard parce qu'en fait, vu qu'on est du côté rouge, vous voyez ici une sorte de croix, donc il faut bien mettre dans le bon sens. On va bien droit ici. Et on ne s'arrêtera pas. Voilà. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça fixe beaucoup mieux. Le fait d'avoir la croix. Enfin, la croix et les supports latéraux, là. On voit ici et là. Ça rend pas mal. De maintien, ça a l'air mieux maintenu quand même. Maintenant, on referme en bas. Vu qu'on a, on a mis la tige, c'est bon. Tac. Et puis, il veut qu'on vienne mettre le support à plaque tout de suite. Ok, très bien. Le support à plaque, on va vous le mettre, hein, si vous insistez. Voilà. Ça, c'est ça. Non, dans l'autre sens, plutôt. Voilà. Encore une fois, comme hier, je sais pas si vous l'avez vu à l'audio, mais moi, j'ai eu un gros clic. Ensuite, on va fermer la fermeture en bas avec les deux angles plus le montant. Les pièces sauteuses. Donc, on va enlever un angle. Deux angles. Et un montant. Là, j'imagine qu'on va grimper ici tout du long. Effectivement, c'est bien ça. Ah. Une pièce de parrain fine pour remettre à plat avec ce qui est en dessus. Avec ce qui est en face plutôt. Et ensuite, on enchaîne deux gros.
2 comme ça. Et 4 petits net techniques. Oula oula, beige. Alors attends, est-ce qu'elles sont toutes pareilles? Oui, elles sont toutes pareilles. C'est des demi d'un côté et complètes de l'autre, c'est ça. Pas des, c'est pas des longues longues, c'est des petites longues. Petit d'un côté, longue de l'autre. Donc quand on prend notre bloc, nous, on envoie les longues à l'intérieur. Ok. Petites vers l'extérieur. Système d'accroche quand même vraiment très, très bien pensé, je trouve, ces trucs-là. Alors là, par contre, c'est pas ultra clair. J'ai l'impression qu'on vient ici, en fait. J'ai l'impression qu'on vient là-dessus. Ce qui m'embête, encore une fois, c'est qu'on laisse ici un creux. Mais on voit bien qu'ici, il n'y a plus de... pas les petits picots qui sont là, donc clairement, c'est qu'on se met là-dessus. On voit les binettes vers l'extérieur pour supporter quelque chose, pour se bloquer dans un truc. Je sais pas encore quoi, mais on verra. Voilà. 28. Alors, des petites plaquounettes grises. On va venir solidifier ça, l'angle en tout cas. Et, pas du tout, ok, non, en fait. Un cochon. Ah là, qui est mieux. Ensuite. Un comme ça qui va venir devant, d'accord. Lui va venir finir de solidifier ici. Solidariser plutôt. Oh oh, ici on n'est pas bien fixé, c'est pas bon. Voilà, j'avais un trou ici là. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Deux angles et un rond. Un rond et deux angles. Comment est-ce qu'on les met là, voilà. À l'avant, donc c'est dans ce sens là déjà pour commencer. Le rond au milieu. Et les angles vers l'intérieur. Enfin, vers l'extérieur, mais... à l'intérieur de l'extérieur, à l'extérieur de l'intérieur, si j'ose dire. Ok. Bien. On arrive page 30, à l'étape 43. Et on va venir prendre ça. Le mettre dans le même sens que celui qui est en dessous, finalement. Avoir le trou unique vers l'avant et l'arrière. Et les multiples sur les côtés. Et on va fixer, en fait, en haut, la tige principale avec encore... une petite bite d'oignon comme ça là, on va envoyer de l'arrière vers l'avant, bien le mettre dans le bon sens. Voilà. Si j'ose dire. Il faut bien, mettre ça sur la... Ah. Ouh, ça bouge un peu. En fait, il faut réussir à bien l'aligner pour que ça passe et en même temps, il faut le mettre dans le bon sens pour que ça rentre. Une tannée. Moi, on est sûr que ça... Enfin, on est sûr. Il y a peu de chances que ça bouge après ça, on est bien. Ah, là, ça y est. On ressort un peu. On a fini par le faire rentrer. Ok. Maintenant, on voit sur les côtés sûrement des renforts. Je sais pas trop. Pas sur une seule et même pièce, mais... on va peut-être de renforcer un peu les côtés par rapport au centre. Imagine. Maintenant. Ah ouais, on remet encore des trucs comme ça. Ok, alors 1, 2 et 4 comme ça, d'accord. 1, 2, 3, 4. Alors. On les pousse toujours sur l'extérieur, ça va venir bloquer sûrement la même chose que ça. Imagine. Ah, c'est des beiges, on a dit. Hein. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un décalage, mais bon, ça se voit là aussi. C'est bon signe, ça veut dire qu'on est bien. Un décalage entre les différents détails. Alors, cette plaque là. Comme ça. Ah, les deux rotules, ok. Donc, les rotules sur l'extérieur. Ah,
Voilà. Et ça, au milieu, côté arrière, pas devant, mais à l'arrière, d'accord. On est comme ça finalement là. Et maintenant, on vient poser ça à l'avant. D'accord, donc à moitié dans le vide, à moitié sur le support. Parce qu'il est dans le vide. Ça a l'air de faire plutôt bien quand même. Franchement, tant mieux. Ensuite, on a deux petites pièces comme ça qui viennent, je sais pas où. Où est-ce qu'elles viennent? Devant, d'accord. Elles viennent fermer entre guillemets, enfin, elles viennent faire un angle ici. Et là, nos deux angles, très bien. Ah, maintenant on veut 10 pièces. Oh là, 10 pièces blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc là on vient de mettre 5 et 5 de chaque côté en laissant un à l'avant. D'accord, donc là on vient vraiment solidifier l'ensemble, je pense. On rassemble ça avec ça et ça avec ça. On fait de la consolidation et on prépare, j'ai l'impression, quelque chose qui va venir se mettre dessus, par-dessus ici tout du long, sûrement. Sûrement. Ah, j'ai les doigts qui glissent et les briques qui sautent. Ça, c'est fait. Non. Deux angles, un, deux, et deux comme ça. On vient finir de solidariser ici. Encore que là, ça veut dire pas grand chose à part sur les extérieurs. Sinon, ici, ça solidarise, mais le reste, c'est plus pour mettre un deux niveaux, j'ai l'impression. Voilà qui est fait. On a un niveau qui est tout plat. Parce que j'ai pas forcément super bien clipsé, mais ça. Alors, ouais, remettre du orange, c'est cool. Effectivement, on finit de mettre un bon gros coup de solidarisation avec cette plaque qui va accrocher ce qu'il y a à l'arrière et ce qu'il y a à l'avant. Plus, on vient mettre ça devant. Ok. Et derrière, on met comme ça. Hop, une. Et deux. Voilà. Comme vous pouvez s'en douter, parce que j'en vois plein à côté des oranges, on enchaîne ici 8 oranges maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Plus, on a une pièce grise qui est là. Puis, elle va venir par-dessus, ici. Et les oranges viennent là, d'accord. Deux. Trois. Et quatre. Ok, très bien, ça va faire 8 fois 2. Enfin, 4 fois 2, 8 plutôt. Allez, come on. Ça, on arrive en fin de premier sachet. Ça vient du coup dans l'autre sens. Ça. L'ensemble a l'air pas mal solide. Vraiment, par exemple, au Dark Trooper, le premier qu'on avait fait. Une base un peu branque-ballante. Celle-ci, elle est bien solide. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce qu'elle est sortie avant le Dark Trooper qui est sorti en dernier. Malgré ça, ils avaient réussi à faire une base plus solide. Contradictoire. Alors là, par contre, je comprends pas. Je me retrouve avec trois pailles jaunes. À aucun moment, on m'a dit installe tes pailles jaunes quelque part. Pourquoi j'ai des pailles jaunes, je sais pas. Est-ce que ça a raté? Est-ce que ça servira plus tard? Bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vraiment des pailles jaunes. Je sais pas quoi en faire.
Et on a quand même relativement pas mal de pièces de rechange. J'ai un stud, une petite plaque de 1 par 1, deux binettes techniques et encore une plaque de 1 par 1 noir. Ça va encore, c'est raisonnable. En plus, il n'y a pas de paire ou quoi. Donc, je me dis, a priori, je ne vais pas planter. A priori, j'ai rien raté. Non, a priori. On en profite pour prendre un petit coup de flotte. Ça fait toujours du bien de boire un coup. Voilà, bonne chose de faite. Est-ce qu'on enchaînerait pas un sachet D, hein? Je vous le demande. Évidemment qu'on a une situation rhétorique, c'est tellement rhétorique. Je vais mettre ces pailles de côté là, le chiffon me gêne un peu. C'est là. Des paillettes d'or. Okay. Petite caisse, ou une petite caisse. C'est quand même assez satisfaisant, c'est assez c'est fou l'effet que ça a sur le cerveau dans toute cette pièce là. C'est une sorte d'adrénaline qui monte. Je sais pas si c'est l'adrénaline exactement, mais il y a un petit. Endorphine ou je ne sais quoi, bref, c'est kiffant comme dirait l'autre. Alors, c'est pas de bêtises. On a ces deux pièces là à poser. Oh là, putain, ça t'es déjà de travers là. Je vais les poser là-haut. Ok. Et pareil, pour ce premier. Qu'on appelle ça. Ce premier sachet par rapport à hier, ah, pareil, on n'a pas de surprise, il n'y a pas de piège, ça se fait bien tout seul. Blanc, ça rend pas très bien avec la lumière, vous êtes un peu aveuglé, je me rends compte, retour caméra. Est-ce que je voulais que je vous dise, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On tombe dessus, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Allez, clipse-toi, toi, voilà. J'ai ok, c'est pas cool. Alors là, ça a l'air un petit peu touchy, je pense. Attention à ce qu'on fait. L'explication est pas ultra bien fichue, j'ai l'impression. C'est à quoi se plater. Right, alors concentrons-nous. Bon, en vrai, ça va, j'en ai fait toute une histoire pour pas grand chose finalement. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Une pièce normale ou c'est une pièce normale, ok. Alors c'était pas une avec une rainure ou je sais pas quoi comme ils en font parfois. Alors là, ah oui, on a une petite manette, ok. Et bah c'est là, ça sert pour la rotule, d'accord. Mais ça va pas rentrer. Voilà. Là-dedans.
et vers le haut, visiblement. Et le tout, ça vient... pas très clair. Là, comme ça. Et... ok, ça vient comme ça. Enfin, si c'est pareil, je sais pas trop à quoi ça sert, mais déjà, visuellement, c'est sympa. Ensuite... comme ça, là comme ça, pas du tout, là comme ça, et là c'est pas bon, il y a un truc qui dépasse, attendez, là je suis pas content, ah c'est parce que j'ai fait une connerie, c'est parce qu'il y a le rouge qui vient entre deux, d'accord, et là c'est bon, c'est cohérent. Ensuite, ça, là qui vient se poser là, d'accord, et par dessus on a un angle. Ensuite, on veut deux fois un comme ça, une fois quatre comme ça, et là c'est 2, 4, 6, c'est un peu plus long, 2, 2, 4, 6, voilà. Alors, comment il fait lui? Ça d'un coup, c'est ça. Ensuite, ça là, si j'ai bien compris. Par contre, ces petits 1 là, c'est pas très clair où est-ce qu'ils vont. C'est vraiment pas très clair. Alors attendez, il y en a un qui part ici dans l'angle, ça c'est sûr. Ok. Et l'autre, il part ici a priori, si je fais de bêtises. Je suis pas sûr de moi 100%. Là, franchement, j'ai peur d'avoir fait une connerie. Continue, on va voir de toute façon, au pire on te montrera la pièce et on aura perdu un peu de temps, c'est pas grave. En théorie, si j'ai pas compris, ça, ça va pas. Ça, ici. Plus de m'embêter, ça là. Et le 1 par 1, il part dans l'angle, d'accord. Ok, on refait un angle ici. Ça permet d'avoir un relief comme ça. Sauf que, déjà là, j'ai un bug. Celui-là, il doit être là, en fait. Pas ici. Regardons, vérifions que le modèle est bien ISO. Ça fait bien ça. Ok. On est ok. Ça a l'air bon, capitaine. On va rajouter encore. J'aime pas du tout cette pièce. Franchement, elle me fait bader. Le rendu va sûrement être génial. Mais la construction est super chiante. J'ai l'impression de se tromper à chaque étape. Les étapes sont pas ultra claires. Et puis de mettre du blanc sur du blanc, comment tu penses en sorte quoi? Je pense que je suis bon. À ce moment-là, on veut ça. On veut ça. Peut-être celle-ci, je pense. C'est bien là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Parfait. Alors, comment est-ce qu'on fait quoi qu'est-ce? On commence par ça ici. On met ça là. On ajoute ça par-dessus. On met ça en dessous. Oui, mais bien sûr, mais encore là, par-dessus, d'accord. Là et là,
par là. Un bloc plutôt facile finalement. Si... Celui-ci, par contre, faut pas se planter sur l'intégration dans le reste. Ah, bah c'est bien, là on a une vue derrière, on peut vérifier que notre modèle est correct. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là on est bon. Là on est bon. Là aussi. Ma foi, tout a l'air carré, si j'ose dire. Il n'y a plus qu'à pas se planter sur l'ajout de celle-ci. Bien, comme ça, donc assez facile finalement. Bon, j'ai eu un petit passage à vide où j'ai un peu peur de faire de la merde, et en fait, ça va. Maintenant, ça, alors comment ça se place? Sur le côté, comme ça. Ça vient. Ici. Ah, par contre, je comprends pas les fameuses binettes techniques là qui vont venir juste en appui. Ça me dépasse, vous voyez ici, elles sont juste en appui. Je pensais qu'elles allaient se clipser dans un truc, bah non. J'ai fait des courses, non. Pareil, ça c'est pas accroché, vous voyez, enfin, je comprends pas. Ça serait peut-être utile pour accrocher quelque chose dessus. On va voir, en tout cas cette pièce me dépasse un peu, me... Ouais. Elle dépasse ma compréhension, honnêtement. C'est pas clair. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Alors comment ce truc tordu là? De la symétrie. Vraiment que je sois concentré sur cette pièce là parce que c'est le truc la moindre erreur est fatale. Ça. Alors ensuite, les cordages dehors qui sont en train de croiser. Je vous le dis. C'est amusant ça, ces pièces là. On dirait qu'il y a un autocollant dessus. Je sais pas si c'est un guide ou quoi, parce que ça a pas l'air sérigraphié, ça a l'air d'être un truc qu'on peut arracher comme si c'était de la colle. Je sais pas. On verra plus tard. Restons focus sur ce qu'on fait maintenant. Alors. Ah, fastoche, ça là. Il est plus à rentrer, voilà. Ensuite, ici, là, en dessous, comme ça, puis, hop, en angle ici. Là, 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 ces petits passages, là, ils sont tricky, hein, être en forme, faut être bien réveillé. J'ai mon diamond painting en dessous. Donc le plastique est en train de se coller à moi, qui me rappelle, il faut que tu me mettes dans un cadre mon gars. Vernis-moi, mets-moi dans un cadre, qui me dit. Oh là, je voulais axer un peu le truc, ça a tout fait sauter. Ok. Concentration et de partir. J'ai sauté une étape. Pas bien. Pas bien. J'ai sauté une étape.
Voilà, ça vient comme ça.